Privilège de rendre visite à M. Mallet en personne pour lui remettre deux certificats, soit celui de M. le Premier ministre et celui de la lieutenant-gouverneur. Aujourd'hui, je vous demande, chers collègues, de vous joindre à moi pour remercier M. Alexandre Mallet pour son service et le féliciter pour ses 100 ans. M. Mallet, nous avons toutes et tous une dette envers vous et les soldats qui sont allés au front. Une dette qui ne peut être effacée par la gratitude et la reconnaissance. Malgré tout, veuillez accepter, M. Mallet, nos remerciements les plus sincères. Merci, M. le Président. Le député de Kent Nord. Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi de me lever en chambre pour souligner une contribution majeure à l'école Monseigneur Marcel-François Richard de Saint-Louis de Kent par trois groupes de pêcheurs de l'Union des pêcheurs des Maritimes, soit celle des Tchais de Pointe-Sapin, de Logie-Croft et du Cap-Saint-Louis. Un premier don de 150 000 $ servira à la construction d'un nouveau terrain de jeu à l'école. Un deuxième don de 143 000 $ servira à la confection de repas à la cafétéria pour le niveau primaire. Et un troisième don de 15 000 $ a servi pour offrir des cadeaux aux jeunes issus de milieux défavorisés dans le temps des fêtes et d'assurer que tous les jeunes soient habillés convenablement pour l'hiver. Leur contribution sera soulignée en construisant le terrain de jeu sous le thème de la pêche. Monsieur le Président, je vous invite, ainsi que les membres de l'Assemblée législative, à se joindre à moi et de féliciter les pêcheurs de l'UPM, des Tchais, de Pointe-Sapin, de Logie-Croft et du Cap-Saint-Louis pour leur contribution majeure.